notre premier repas? Génial! Waouh! Le gâteau! C'est énorme! J'aimerais avoir une bouchée! J'ai mal à le garder pour moi! Dépêchons-nous de l'essayer! Prends ton temps, Julie! Nous n'avons pas encore regardé nos cartes! Venez, prenez-les! Alex, t'as raison! Commençons par les cartes! Génial! Je peux lécher le gâteau! Je peux en prendre une bouchée! Il s'avère que je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit! Bon sang! Mais je ne vais pas le supporter! Laissez-moi moi essayer la crème! Mais c'est contre les règles, Julie! Tu ne peux pas faire ça! Miam! Ne t'avise pas de refaire ça ou je n'aurai rien à lécher! Super! C'est vraiment délicieux! Je veux plus! Waouh! C'est beaucoup de crème! Tu peux le lécher ça enfin! C'est assez, Alex! C'est mon tour! Mila a raison! T'en as eu assez pour aujourd'hui! Oh! J'ai barbouillé mon nez de crème! Mais c'est pour le mieux! J'aurai quelque chose à grignoter! Je sais pas pour toi, mais moi j'ai définitivement quelque chose à manger! Mon Dieu, c'est délicieux! Maintenant, on ne pourrait pas m'arrêter! Je peux pas supporter de regarder ça! Nous devons intervenir avant qu'elle ne mange tout le gâteau! Donne-le-nous, s'il te plaît! Bien sûr que non! Je ne partagerai pas! Ah oui? Alors, vas-y, Mila! Lâche-moi, Alex! T'as de la crème partout sur ton visage! Ce n'est pas drôle! Maintenant, vous allez aussi avoir droit à un peu de douceur! C'est ce que vous voulez, non? T'as frappé Julie en plein dans l'œil! C'est hilarant! Yeah! Qu'est-ce que tu fais, Mila? Vous l'avez demandé! Mets ton nez au travail! Nous avons un nouveau plat! Je dois l'ouvrir cette fois-ci! Je n'en crois pas mes yeux, c'est un cactus! Ça a l'air génial! J'ai peur qu'il soit trop piquant! Ah oui, comme c'est douloureux! Tu n'aurais pas dû toucher le cactus avec tes mains! C'est une bonne chose que j'ai un pansement! Vas-y! Je vais le mettre sur ton doigt! Merci beaucoup! Et qu'est-ce que je ferai sans toi, Alex? Voilà, c'est beaucoup mieux! Voilà les cartes, les filles! Cool! Je n'aurais pas touché le cactus! Oh non, pas ça! Je devrais le lécher? Et moi, je dois mordre! J'adorerais voir ça! Vas-y, Mila! Oh non! Toi d'abord! Je suis prête à te céder! Et je suis prête pour toi, vas-y! C'est assez! Ma tête est sur le point de se diviser en deux moitiés! Jouer le jeu et décider honnêtement qui commence. Okay. Ce n'est pas une mauvaise idée. Essayons. Cool, j'ai gagné. Tu commences. Alex, pourquoi t'as proposé cela? Nous aurions pu le faire sans toi. Ça fait mal. Je me suis gratté toute la langue. Regardez ça. Il y a des aiguilles plantées dedans. Je viens de faire une farce, si vous m'avez cru. Pas drôle, Julie. Lèche encore. Non, pas ça. Attendez une seconde, j'ai une idée. Il faut raser le cactus. Et ça sera sans danger. Je pense que ce mode est trop faible. Je vais essayer le mode turbo. Génial, ça fonctionne pour moi. Les gars, regardez, ça marche. J'aime bien ça. Je pourrais être une coiffeuse de cactus. Arrête, toutes les aiguilles volent vers nous. C'est fait. Qu'est-ce que vous disiez? C'est embarrassant que cela est sorti. C'est vrai. Vas-y, lèche le cactus. D'accord, d'accord, mais ne soyez pas nerveux. Ce n'est pas difficile de faire la tâche. C'est fait. Peu importe à quel point je rallonge le moment, c'est mon tour. Je dois le faire à Pietro à l'oublier comme un mauvais rêve. Oh, très amer. Je n'aime pas du tout. C'est tellement drôle à tout de regarder. Ouah, Mila, qu'est-ce que tu crois faire? Je suis désolée, Alex, je n'ai pas pu m'en empêcher. Que cela te serve de leçon. Et voici notre nouveau plat. Et je vais l'ouvrir. C'est un énorme chupa-chups, génial. Waouh, c'est tellement grand. J'espère que je pourrai au moins le lécher. Mélangeons bien les cartes pour que ce soit équitable.
Super, je peux manger une sucette. Et je ne vais même pas essayer. Ouais, je dois lécher la sucette. Ce n'est pas juste. Non, arrêtez. Mila, ça va pas t'aider. C'est déjà décidé. Désolée, Alex, mais je vais commencer. Très bien, je m'en remets à toi. Ouais, pourquoi t'as jeté l'emballage sur moi? Désolée, j'ai pas remarqué. Hein? Julie ne peut pas mordre dans du caramel. Qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'il est devenu folle. Tu ne pourras pas casser cette sucette de toute façon. Nous allons voir ça. Je vais chercher un marteau de forgeron. Reprends tes esprits, Julie, t'en supplie. Oh, pas du tout. Non, c'est brisé, ça. Ton plat a totalement échoué. Donne-moi la sucette, je sais comment m'y prendre. Je pourrais la lécher aussi. C'est tout, on dirait que ça va durer un moment. Je sais plus quoi faire. Peut-être faire une manucure. Hein? C'est fait. Quelle est la prochaine étape? J'essaie de faire une sieste. Non, ça ne marche pas. Alex, combien de temps encore? Accélérons le rythme. Non, rends-moi ma sucette. S'il te plaît. Je ne voulais pas te l'enlever. Je voulais juste t'aider un peu. Quel engin génial! Ainsi, je peux manger du caramel beaucoup plus rapidement. Génial. Ça rétrécit. Voilà, il ne reste plus grand-chose. Je pourrais manger ça. Donne-moi la sucette. C'est si petit. Sois reconnaissant qu'au moins elle soit encore là. Merci, Alex. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as quelque chose d'autre que du caramel ici. C'est du chewing-gum. Cool. Voilà. J'aurais pu l'avoir. Julie, tu ne devrais pas souffler de si grosses bulles. Oh non. La bulle a éclaté. Alex, on dirait que t'avais raison. Je l'ai empêtré dans du chewing-gum. On ne trouvait pas que ça sent quelque chose de pourri. Je pense que la puanteur lui est en dessous le couvercle. Julie a raison. J'ai peur d'imaginer ce qu'il y a là-dedans. Oh, non, je déteste le poisson. Mais quelqu'un devrait le goûter. Alors ne ferions mieux de nous y mettre rapidement. Oh non. Je devrais lécher tout ça. Je devrais mordre. Oh, c'est bon. Je suis heureuse, moi. Oh oui. Ah, et ma tête. Je pense qu'il n'y a aucune raison d'être heureuse, Mila. Ok. Si t'es si nerveux, Alex, laisse-moi commencer. Oh, ce poisson a intérêt à ne pas être approché. T'as changé d'avis sur le fait de lécher ça? Ça ne suffira pas. D'accord, d'accord, nous devons respecter les règles. Non, j'ai changé d'avis. Je préfère ne pas lécher le poisson. Pourquoi pas? Parce que j'ai peur. Mais non, j'ai pas peur. Je vais réessayer. Alex, laisse! Je ne fais que t'aider à accomplir ta tâche. Je t'ai pas demandé de m'aider. Ça y est, c'est ton tour maintenant. Et tu t'en sortiras certainement pas comme ça. Pourquoi t'as fait ça, Julie? C'est dégoûtant. Maintenant, nous sommes quittes, Alex. Alors, on commence? Je vais y aller en première. Waouh, le chocolat? Cool. What? Mais qu'est-ce qu'il n'a pas avec elle? Et comment je suis censée la manger? C'est complètement fondu. Je t'envie pas. Oui, il faut penser à quelque chose de toute urgence. Je sais comment manger ma barre de chocolat. J'ai besoin de glace et de ciseaux. Oui, maintenant, je vais essayer un peu. Ouais. Si j'enverse ça un peu comme ça, ouais, je vais le manger super bien. Et c'est vraiment super amusant de dessiner à part le chocolat. Oh, j'en barbe déjà. Je vais essayer. Génial! Mary, pourquoi t'es assise là? Vas-y, ouvre! Oh! Oui, quoi? N'importe quoi! C'est le chocolat qui est glacé! Bon, voyons! Yummy! C'est appétissant! Mais c'est comme une pierre! Comment je vais la manger? Vas-y! Vas-y! Allez! Bon. Je vais essayer de lécher comme un cône de glace. Non, mais tu vas le manger pour toujours. Heureusement que j'ai le chocolat liquide. Je vais faire vraiment n'importe quelle forme et je vais bien la manger. J'ouvre d'abord. Non, moi.
Vas-y, tu commences. Une gaufre congelée? J'aime bien les gaufres, bien sûr, mais pas congelées. C'est dur comme la pierre. Et qu'est-ce que t'as? Voyons voir. Oui, c'est de la chance. J'ai une gaufre toute prête et savoureuse. Miam. J'ai hâte de manger tout ça. Oh, c'est trop chaud. Oh non, maman. Marie, tiens ma gaufre. Oh, c'est beaucoup mieux. Merci. Mais comment je suis censée manger ma gaufre? J'ai une idée. C'est pour ne pas se salir. J'ai mangé avec une fourchette et un couteau. Et je vais bien souffler. C'est bon, qu'est-ce que tu fais? Stupide gaufre congelée. Allez, allez. Oh ouais, peut-être qu'en petite bouchée, je pourrais la manger. Non, c'est encore dur. Bon, je vais pas la manger. Ok. Mia, ne sois pas triste. Mia, ne sois pas triste. Regarde, ma gaufre est suffisante pour deux. Vas-y, serre-toi. Alors, on ouvre ensemble, allez. Waouh. Un chocolat chaud avec de la marmelade. J'adore ça. Ouais, mais c'est vraiment quoi? J'ai une idée. Je vais boire avec une paille. Mais pourquoi j'y arrive pas? Ouais. Alors, j'ai vraiment du chocolat chaud. Ce n'est pas juste. Mon chocolat est si froid qu'il ne coule même pas. Et bon, j'ai bien le léché. Mais en fait, ça a bon goût. C'est comme la crème glacée. J'ai eu de la chance. Oh, je démarche mal au dos et sucré le chocolat. Oh, c'est chaud. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je sais. Je vais prendre mes gants. Alors, ils ne vont rien sentir. Génial. Oh oui, c'est super bon. Vas-y, lèche tes glaçons. Oh. Pourquoi t'es la première? Allons-y ensemble. 3, 2, 1. Des nouilles. Yummy. Oh, c'est cool. Attendez, c'est congelé? Oh, j'arrive même pas à sortir les baguettes. Oh non. Oh, et pas de chance. De mon côté, je suis sur le point de prendre un délicieux goûter. Je manie les baguettes comme un ninja. Alors, essayons. Oh oui. Oh non. Ma bouche est en feu. Attention, je peux pas m'en empêcher. Je sais comment faire fondre mes nouilles. Donne-moi un peu d'aide, Mia. Oui, maintenant je peux aussi manger mes nouilles. Oh, cela semble devenir plus facile. Ces nouilles sont trop épicées. Merci d'avoir aidé. Maintenant, je vais prendre une bouchée aussi. Comment ça, appétissant? Oh, désolé. J'ai vraiment oublié des manières. Un combat de doigts, mon doigt qui passe en première. Tu ne peux pas me battre. Nous allons voir ça. Oui, j'ai gagné. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une sucette fondue. Et comment je suis censée manger ce truc? Ok. Bon, qu'est-ce que t'as? Oh, wow. J'ai une sucette entière. Oui, je vais essayer. Oh, non, ma langue. Alors, je sais comment faire pour Mia. Alors, c'est où? Génial. Mia, aide-moi, s'il te plaît. Ma langue. Vas-y, vas-y. Je vais le... Oui, j'ai réussi. Ta langue est en liberté. Quoi? Non. Je crois que j'ai fait trop d'efforts. Stupide blague. Bon, je vais m'occuper de ma sucette. Ouais, je sais ce qu'il faut faire. Je vais faire des bulles. Cool. Je suis très douée pour cela. Et ces bulles sont tellement savoureuses. Je peux essayer? Eh ben non. Vas-y, pierre, papier, ciseaux. Oui, j'ai gagné. Hey, moi là-bas. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Des nuggets. J'adore. Oui, j'ai hâte de les goûter. Oh, tellement chaud. C'est mieux comme ça. Comme c'est bon. Génial. Vas-y, Mia. Bon. Des nuggets surgelés. Comment je vais le manger?
Je ne peux même pas ouvrir le paquet. Allez, je vais t'aider. Okay. Regarde, comme ça. Tiens. Oh my God. Tu n'aurais pas dû... Non, tu n'aurais pas dû l'ouvrir. Bon, je vais essayer. Aïe. Ouais, ils sont encore une pierre. Bingo. Ouais, mais je vais les juste... Ouais. J'ai un fer à repasser. Non, c'est pas vraiment un fer à repasser, mais bon. Oui, génial. Oui, c'est pour les cheveux, mais c'est quand même cool. Oui, j'ai un génie. Oui, j'ai hâte de voir. C'est qui? Ouais, je l'ai ouvert en première. J'ai de la pizza. Non, ce n'est pas juste. Désolée. J'adore la pizza. Elle est tellement appétissante. Génial. Maintenant, c'est ton tour. Bon, je suis pas sûre que c'est quelque chose de bon. Ouais, c'est pizza. Ouais, mais c'est congelé. Bon, je vais quand même la manger. Aïe, ça fait mal mes dents. Comment je vais la manger? Non, j'y arrive pas du tout. Je crois que j'ai une idée. Laisse-moi te donner un petit coup de pouce. Tiens. Mort. Et mâche. Marie, je pense que ça a marché. Merci. Oups. Je crois que j'en ai fait un peu trop. Oh non. Mes dents. Oh, stupide pizza en pire. Je sais ce qui va te remonter le moral. Tiens, serre-toi. Mais fais juste attention cette fois-ci.